6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. On est mardi aujourd'hui Hamid. Vous avez décidé de revisiter l'histoire, de nous parler de ce qui s'est passé un certain 22 octobre 1956, une première mondiale. Le 22 octobre 1956, la France a commis le premier acte de piraterie aérienne. Le premier détournement d'avion de toute l'histoire de l'aviation a d'enquêter l'œuvre... De la République française. Alors qu'il venait de Rabat, il se dirigeait vers Tunis, l'avion d'Air Atlas est détourné de sa destination par un chasseur à réaction de l'armée française. À bord du, du DC-3, cinq dirigeants du Front de Libération nationale Ahmed Ben Bella, Mohamed Khider. Mustapha Mohamed Boudiev, et Hussein Et L'avion est intercepté en plein vol et forcé, forcé d'atterrir à l'aéroport d'Alger. Après des interrogatoires par la DST de sinistre mémoire, les cinq dirigeants du FLN sont transférés vers des prisons françaises. À travers ce premier détournement d'avion, la France confirma son statut de premier pays terroriste de l'air. Une halte dans l'histoire, mais une révolution populaire assure le renouvellement de sa direction. Oui, une citation pour comprendre le combat libérateur et le combat populaire. Cette phrase restait célèbre, celle de l'Arbi ben Mehdi. Mettez la révolution dans la rue, vous la verrez reprise par tout un peuple. Ce rappel est important. Il est nécessaire pour ceux qui ont trahi al shérif alors que Reza est bombardé comme aucune ville au monde ne l'a été alors que Razza est bombardée comme aucune autre ville au monde ne l'a été. Raison pour laquelle il faut rappeler que l'État terroriste de l'air qui détournait en 1956 l'avion des dirigeants du FLN a des atomes trocheux avec l'autre ultra terroriste, l'entité sioniste. Le programme nucléaire sioniste et ses accointances avec une certaine France. Lorsque l'entité sioniste décide de lancer son programme nucléaire, elle fait appel à la France, puisque entre états colonisateur et spoliateurs, il y a des atomes crochus. Donc, Paris envoie plusieurs centaines de techniciens, livre un réacteur nucléaire de 24 MW et entame à Dimona en 1958 les travaux de ce de cette centrale nucléaire. Depuis, la politique française envers l'entité sioniste n'a pas changé isotope. Bien au contraire, vu les autres formes de soutien militaire avec les frégates françaises déployées dans la région, on soutient l'armée sioniste, ou encore le soutien logistique avec les moyens militaires stationnés chez certains pays arabes au Proche et au Moyen-Orient. Comme quoi la trahison euh, n'a pas de limite et trouve euh, toute sa place euh, dans certains palais. Des palais où sont déclarés vainqueurs si ceux qui s'aplatissent le plus, ceux qui normalisent le plus. Normal, me diriez-vous, le 1er novembre ne toule pas dans leurs veines. C'est pour cela que me vient à l'esprit cette phrase délivrée par un razaoui nommé Abou Yeza. Je le cite. Le monde pense que Reza est occupé par Israël. La vérité, c'est que le monde est occupé par Israël à l'exception de Reza. Fin de citation. Voilà. voilà pourquoi à partir du 21 boulevard des Martyrs, les descendants de Lalla Fatman Soumer et de Larbi Ben Mehdi soutiennent sans condition aucune les descendants de Yahya Noir dans leur juste combat et dans le développement durable de leur direction combattante. نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة أدمى أدمى مرسي حميد